Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi. Aujourd'hui, gros programme. Je vais chez l'ophtalmo. Pas l'opticien, non, pas encore. L'ophtalmo, ça faisait 3 ans. Idéalement, j'aimerais mettre des lentilles, mais je sais pas si j'ai le droit. J'aimerais avoir les deux, en fait. Lentilles de contact et lunettes. Donc, je vais voir si c'est possible. Et puis, de toute façon, vous le savez, je vous dirai tout. Et je vais faire attention dans ce vlog-là, vous avez été plusieurs, ça me gêne, à me dire que le son n'était pas terrible, enfin, en tout cas le volume. Et c'est vrai que j'avais mis le volume niveau 0. J'avais laissé tel quel en fait. Voilà, je vais faire attention, je vais le monter, donc je compte sur vous pour me dire si c'est mieux. Je prends mon petit café, je suis à l'avance. Je vais y aller à pied, mais j'ai l'impression qu'il fait super froid, je vais être obligée de ressortir ma doudoune avec la grosse capuche. Ce que vous voyez là, c'est le théâtre municipal, là où je faisais des cours l'année dernière. Je prenais des cours. Il est très beau et l'intérieur, c'est les fameux sièges rouges typiques. On va rentrer par là. L'entrée des artistes. Bon, ça y est, j'y suis. Je viens de sortir de la première consultation, on m'a fait plein de tests. J'ai les yeux tout explosés et là après je passe pour le bilan aussi quoi. Pas le bilan, non, d'autres tests. Mais il semblerait que j'ai perdu des prêts. Je vois moins bien de près à cause des écrans. 8-9 heures d'écran par jour. Donc, ça devait arriver. Bon, je suis rentrée. Petit bilan. Je suis quand même assez déçue de la conclusion. Je suis passée par deux tests. Premier test, on te prend la tension dans l'œil, donc ça, j'avais pas. On m'a fait un truc, on n'avait encore jamais fait, pour voir un peu mon taux de larmes. On m'a mis des petites tiges en carton dans chaque œil. Truc hyper désagréable. Et ça, tu dois regarder 3 minutes. 3 minutes, c'est hyper long. Et bon, là, les larmes, ça allait aussi. Après, on te fait un petit peu la gymnastique des yeux, voir si tu as besoin de rééducation. Donc oui, moi, c'est le cas. Je vais avoir besoin de 12 séances de rééducation. Et après, quand je suis allée voir l'ophtalmo, donc il m'a fait d'autres tests et il en a bien conclu qu'il fallait que je passe à des lunettes progressives parce que ma vie de près avait vraiment baissé encore dû aux excès d'ordinateur, comme je bosse beaucoup sur l'ordi. Donc je suis un peu dégoûtée parce que tout ce qui est lunettes progressives, j'ai toujours entendu parler que ça, c'était très dur pour s'adapter, ça donnait des vertiges, des nausées. Moi, le médecin m'a dit que maintenant, les nouvelles, ça allait. Et puis, c'était de 10 minutes à 10 jours pour se remettre. Donc, si c'est ça, ça va. Voilà, donc à part ça, aujourd'hui, je vais tourner une vidéo sur, peut-être deux. On verra selon le temps. Voilà. Avant de commencer ma vidéo facecam, je vais manger un petit bout. T'étais où cette nuit, toi? D'habitude, tu dors avec moi? T'as découché? Alors, il faut savoir que quand je sors le surimi, ça le rend complètement dingo. Je sais pas, le visuel, le bruit de la boîte, il sait que c'est des surimi. Non. Ah non, hein. Maman, elle prépare et toi, tu regardes. Non. Je vais me faire aussi une petite vaza avec du chèvre en tranche, j'adore ça. Et pour le dessert, ouais, là, j'ai envie d'en prendre un. Je vais me faire une petite crêpe comme ça. Chauffer, ouais, je vais la chauffer. Hier, j'ai fait la même, mais avec des petits carrés de chocolat. Et le chocolat, il était mais tellement bouillant que ma langue, je me suis cramée. J'ai encore mal aujourd'hui. Donc là, je vais pas mettre de chocolat, mais elles sont très bonnes comme ça. J'aime bien quand elles sont un petit peu croustillantes, dentelles. Et ces gâteaux, je suis obligée de vous les montrer. C'est une découverte, hein. Je les ai achetés chez Leclerc hier ou avant-hier, je sais plus. C'est en fait des cookies luxe, hein. Biscuiterie de l'Abbaye, c'est du pur beurre, on est d'accord. Mais à l'intérieur, t'as l'impression de manger en fait des vrais cookies qui sortent du four. Excellent. Et pendant que ma crêpe chauffe, on va discuter un peu tous les deux. Tu me racontes ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Je viens de terminer la partie close-up de la vidéo que je suis en train de tourner. Close-up, c'est tous les gros plans que vous voyez, les incrustations des objets que je présente. Ça prend beaucoup de temps parce que moi, c'est vrai que je suis assez perfectionniste. J'aime bien quand c'est joli. C'est ici que je l'ai fait d'ailleurs, dans cette pièce, et là je vais tout simplement tourner ma face cam. C'est parti. Je vous montre un petit aperçu des coulisses avant que je tourne. Il y en a partout, ça c'est sûr, mais après moi je range tout, hein. D'ailleurs les projos là je m'en sers pas, donc il faudrait que je les stocke dans une autre pièce, ça prend beaucoup de place.
De toute façon, je vais les utiliser bientôt, hein, cet hiver, dès l'instant où il fera nuit tôt. Donc c'est parti, je vais tourner, je pense que j'en ai pour une demi-heure. Et après, je ferai toute la partie montage, ce qui va me prendre, je pense, 2 bonnes heures. Bon, voilà, je suis bien énervée. Une fois encore, je viens de tourner, ça m'a pris, ouais, 3 quarts d'heure. Ça n'a pas enregistré. Au moment où je regarde les rushs, ça n'a pas pris. Ça fait un moment, je sais pas, c'est ma carte mémoire. Je perds un temps fou, mais... Oh, détends-toi, Caro, donc je vais y retourner. Donc là, je suis en plein montage. Je pense que ça va me prendre, vu que j'ai déjà fait les close-ups, 1 heure, 1 bonne heure. Et puis après, bah, je ferai l'exportation. Voilà, donc la prise était bien bonne, hein, heureusement. Bon, je fais une petite pause. Là, je commence à peiner vraiment au niveau des yeux. Parce qu'en fait, on est comme ça, concentré là sur le montage. Bref, je vais me prendre une petite infusion et un petit goûter. Et bien sûr, Jack qui est encore faim. En ce moment, je prends celle-là. Elle est très bonne. Bardane, citron, graines de fenouil. C'est hyper digeste. Moi, j'aime bien. Bon, après, c'est une infusion, on peut le prendre n'importe quand. Allez, c'est parti. Parce que là, il me reste quoi? 3 quarts d'heure de boulot, à peu près. Regardez-moi ça. Miam. Bon, ça y est, il est 18h, ma vidéo est en cours de téléchargement et j'ai envie d'aller, bon, déjà marcher, mais surtout aller à la boulangerie mâcher des gâteaux. Je suis un peu concon, tout simplement parce que ce soir c'est meilleur pâtissier, j'adore manger des gâteaux devant cette émission. Je sais, c'est un petit peu bête. Pendant que ça finit de télécharger, je vais ranger, mais je change, je vais pas avoir le temps d'aller chercher mes petits gâteaux. Bon, c'est pas grave, on va commencer par enlever ça. Quand c'est rangé, c'est beau, hein. On croirait pas comme ça, mais. Mon petit bureau, il est bien, hein. Sinon, quelqu'un peut me dire ce qu'il a. Moi, je vous dis qu'il s'ennuie. Donc, j'ai proposé à Eric de lui prendre un petit frère, un chaton. Je lui ai dit que c'était mon petit cadeau de Noël, il veut pas. Ah oui. Bon, après, c'est vrai qu'il est exclusif. Je sais pas comment il prendrait, mais peut-être qu'il s'en occuperait, ça le changerait. Faudrait que j'appelle un veto quand même pour lui demander. Bon, en même temps, Eric est pas du tout chaud, donc. Tu voudrais un petit frère? Tu veux un petit frère? Bon, finalement, j'ai pas pu aller acheter mon petit gâteau. C'était trop tard parce que le temps de télécharger. Après, t'as plein d'autres trucs à faire. Bref, ce soir, ça va être un comme ça. Le bon végétal. Et puis, des quenelles. J'adore les quenelles. Et après, bah, petit dessert devant le meilleur pâtissier. Voilà. Voilà, j'y suis. Meilleur pâtissier. Je vais me mettre dans le canapé. Je vais me prendre un peu de glace. Et je vais vous dire à demain dans un prochain vlog. Salut!